Bonsoir à vous, Cyril Darmon. Bonsoir. Alors, pour mieux comprendre les bouleversements que nous vivons dans le monde du travail avec l'intelligence artificielle, comment les entreprises intègrent l'IA dans le travail quotidien, finalement, de leurs salariés ? Aujourd'hui, les entreprises se posent beaucoup de questions concernant l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de leurs services. Donc, ils font appel la plupart du temps à des consultants pour mettre en place des solutions, on va dire, d'exploration d'intelligence artificielle pour justement l'implémentation à l'intérieur des services. Et c'est une vraie problématique parce que aujourd'hui, la plupart des entreprises ont du mal à anticiper l'implémentation de l'intelligence artificielle. Alors, quels sont les vrais avantages des intelligences artificielles? Que peuvent-elles nous apporter finalement? De la rapidité? Aujourd'hui, ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est comme si on se disait « je n'utilise plus l'électricité, je reviens à la bougie ». L'intelligence artificielle doit, pour les entreprises, faire partie intégrante de leur process. Ne pas utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui en entreprise, c'est vouer carrément l'entreprise à la mort. Parce que l'intelligence artificielle, l'IA comme on l'appelle, apporte de telles choses puissantes en termes de développement, en termes de rapidité, en termes de productivité, que si on ne l'utilise pas, à côté, les entreprises qui, elles, l'utilisent vont être de plus en plus concurrentes et nous, voués à l'échec. A contrario, que penser de toutes les peurs qu'elles font naître, que ce soit la disparition de certains métiers ou bien la suppression de postes dans les entreprises ? C'est vrai que de toute façon, l'IA va générer des suppressions de postes. On ne peut pas faire sans, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on peut prendre des exemples comme les traducteurs notamment. Ce sont des postes qui vont progressivement disparaître. On peut faire un parallèle. À l'époque des voitures et des chevaux, on avait des personnes qui ramassaient les bouses de cheval derrière les chevaux en ville. Ils ont complètement disparu. À chaque fois qu'il y a des technologies majeures qui émergent, forcément, ça supprime des emplois, mais par contre, ça en génère d'autres. On va dans le secteur du marketing, par exemple, du marketing digital. On a des copywriters, notamment, qui passaient leur temps à écrire pour d'autres personnes. Là, l'intelligence artificielle va justement les augmenter, va les booster, va leur donner beaucoup plus de valeur ajoutée dans leurs écrits. Donc pour moi, ce sont des atouts énormes pour l'évolution des métiers. C'est vrai qu'on a déjà le sentiment de faire un énorme bond en avant avec ces intelligences artificielles. Ça sera ma dernière question. Mais quel avenir ont-elles, selon vous ? C'est quelque chose d'assez impressionnant parce que l'année dernière, un des pères de l'intelligence artificielle nous disait « Il va falloir à peu près 20 ans pour arriver à ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générale. » C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle capable pratiquement de remplacer l'homme. Il y a quelques mois, cette même personne nous disait il va falloir entre 3 à 6 ans. Et puis, il y a quelques semaines, on a vu le tsunami chez OpenAI, où Sam Altman s'est fait virer manu militari par son conseil d'administration. Au départ, on ne savait pas pourquoi, et puis il y a eu des fuites. Les fuites ont été faites par des chercheurs directement d'OpenAI, qui disaient quoi ? Qui disaient que OpenAI, donc ChatGPT, avait quasiment atteint la maturité d'une intelligence artificielle générale. Donc ça va excessivement vite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre des cadres, il faut mettre des garde-fous très vite, très importants, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérapage suite à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à vous, Cyril Darmon, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Merci infiniment.